Sherlock Holmes. Habitant au 221B Baker Street, est un personnage créé par Sir Arthur Conan Doyle qui apparaît pour la toute première fois en 1887 dans le roman policier Une étude rouge. Sherlock est un détective privé consultant qui possède une mémoire remarquable et un sens de la déduction qui peut en effrayer certains. De la moindre trace de farine sur votre coude jusqu'au simple mouvement de votre doigt, il peut en quelques secondes vous cerner, comprendre, deviner, déduire ce que vous avez fait. Très souvent, déduire comment et pourquoi vous avez tué cette personne, car nous sommes face à un détective. Il ne se considère pas vraiment comme étant un simple policier. Il se considère plus comme étant un détective privé consultant. Sa vie n'est constituée que d'enquêtes à résoudre. Très souvent, ce seront des cas que personne d'autre n'arrive à élucider, car il est l'un des rares à posséder ce sens d'observation et de déduction. Et une fois l'énigme résolue, il tourne la page afin d'en commencer une nouvelle, et ainsi de suite. Mais là où cela va devenir compliqué, c'est lorsqu'il croisera la route de Moriarty, son ennemi juré. Depuis plus d'un siècle d'existence, ce personnage a subi énormément d'adaptations et fait partie des personnages les plus adaptés du monde, aussi bien du vivant de Sir Arthur que bien après sa mort, sur différents formats. Les nouvelles, les romans, enfin le format littéraire, le format audio, le cinéma, la télé, les jeux vidéo et tellement d'autres. La plupart d'entre elles n'ont fait qu'adapter les romans ou les nouvelles, tandis que d'autres se sont employés à modifier ce personnage pour nous raconter de toutes nouvelles histoires qui, peut-être, se passent dans un contexte différent, une époque différente, qui ont pu lui rajouter des amis, agrandir sa famille, modifier certains traits de sa vie, de son passé, bref, encore plein d'autres détails qui peuvent aider à agrandir son univers et ainsi nous proposer plusieurs versions d'un Sherlock Holmes. Mais au milieu de tout ça, il existe également des aventures qui n'ont fait qu'utiliser ce personnage afin de nous raconter leur délire avec Sherlock Holmes, sachant très bien que s'il n'y avait pas son nom d'inscrit en très gros en tête d'affiche, jamais personne n'aurait lu ou regardé ce qu'ils avaient créé. Je le précise tout de suite, il y a une grande différence pour moi entre utiliser un personnage et s'en servir. L'utiliser veut dire qu'on a une histoire suffisamment intéressante qui nécessite l'utilisation du personnage de Sherlock Holmes au sein de son histoire. Peu importe si ça fonctionne ou non, ça c'est une autre question. Au moins, elle aura tenté de nous raconter autre chose. Et ensuite, s'en servir. Se servir d'un personnage ou un univers, pas forcément Sherlock, est pour moi une facilité qui prouve que certaines personnes sont conscientes que leur histoire n'est qu'un délire, un concept, qui ne fonctionnera jamais auprès du public sans un personnage phare. Et donc, ils tentent de sauver les meubles en y incrustant un personnage qui n'a rien à faire dans tout ça. Sans oublier d'inscrire en très gros sur l'affiche le nom du personnage utilisé pour attirer le plus de personnes possible, car sans ça, personne n'irait voir, ne lirait ou n'écouterait ce qu'ils ont créé. Et ça, c'est un problème des adaptations, surtout sur les plus récentes. Aujourd'hui, on trouve de tout et n'importe quoi sur un personnage. Alors que si on regarde les versions les plus anciennes, elles étaient, disons, moins farfelues. Elles pouvaient très bien nous raconter autre chose d'intéressant avec ce personnage, sans forcément reprendre les origines. Mais pour en revenir au sujet principal, quand on prononce le nom de Sherlock Holmes, on pense quasiment tout de suite à un détective qui résout des enquêtes et puis c'est tout. Mais pour d'autres, non. Ça leur inspire une histoire avec un dinosaure, une pieuvre géante et un dragon. On en reparlera. Plus tard. Le plus tard possible. Ce qui m'intéresse le plus dans ces vidéos, ce sont ses apparitions sur écran plutôt que littéraires. Les origines de cette rétrospective ont pris forme sous quelques recherches effectuées afin de parler de la série animée de 1981. Sauf que si je me serais décidé à en parler, j'allais obligatoirement faire une parenthèse sur les origines du personnage. J'aurais également parlé des films avec Robert Downey Jr. Et si je parle de ça, j'allais forcément passer par la série Sherlock, mais si je mentionne celle-là, je devais également parler d'Elementary et... Enfin bref, vous avez compris. Je ne pouvais pas parler de ça sans parler de ça, ni de l'un sans l'autre. Alors, au bout de plusieurs mois de recherche, de visionnage, d'écriture, de travail, j'ai finalement décidé que j'allais consacrer un thème tout entier à son univers. Thème qui se reposera quasiment que sur ses apparitions à l'écran. Bien évidemment, ultra spoiler à venir, car pour en parler, il faut que j'analyse en détail certaines de ses œuvres, et surtout les plus récentes, mais pas que. Donc, je pars du principe que si vous continuez à regarder, soit les spoilers ne vous gênent pas, soit vous avez déjà vu tout ce qui existe, soit vous avez juste envie de continuer à regarder et également peut-être découvrir cet univers. Dans ce cas, on commence tout de suite. L'univers de Sherlock Holmes est très intéressant et tellement grand. Toutes ses apparitions ne se déroulent pas toujours dans le même contexte ni la même époque. Il n'y a pas qu'un univers, il y en a plusieurs. Certains codes reviendront évidemment d'une série ou film ou téléfilm à l'autre, comme par exemple fumer la pipe ou répéter la fameuse phrase « Élémentaire mon cher Watson », car le personnage est comme ça. Il est écrit et pensé pour être comme ça.
Mais ce n'est pas non plus une obligation d'avoir ces deux éléments pour nous raconter une aventure de Sherlock. Ce sont deux éléments qui existent, qui ont déjà été introduits, qui ont pu disparaître et qui peuvent toujours réapparaître. Mais en général, l'élément qu'on ne change pas ou qu'on ne retire pas, c'est qu'Holmes est un détective extrêmement intelligent et redoutable. Sa toute première apparition en dehors des livres est donc premier pas dans le monde du cinéma qui deviendra aux côtés de la télé le format le plus représentatif et grand public de ce qu'est Sherlock et dans un film d'une durée de 30 secondes, 49 si on compte le générique, réalisé par Arthur Wood-Marvin en 1900 qui n'était à l'époque visible qu'à l'aide d'un mutoscope. Rien qu'avec ce mot, vous avez déjà compris que c'est un très vieux film. Donc, qui dit vieux film dit noir et blanc, et qui dit noir et blanc dit très souvent muet. Des films en noir et blanc muet, ou les deux réunis sur Sherlock, il y en a quelques-uns. Mais là, c'est pas juste un film, on est en 1900. Ce film était visible à l'époque qu'à l'aide d'un mutoscope. Un mutoscope, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Ce ne sont que des images qui défilent les unes après les autres. Voilà, alors évidemment, on ne fait pas de film d'une heure et demie là-dessus. T'imagines ? Devoir rester et tourner cette manivelle pendant une heure et demie ? Et c'est ainsi que prend vie Sherlock Holmes en dehors des livres. Et à partir de là, nous pouvons compter pas loin d'une quinzaine d'adaptations jusqu'en 1929, dont celle de 1905, réalisée par James Stewart Blackton, qui est un film tellement ancien qu'il est considéré comme étant un film perdu. Seulement quelques extraits ont réussi à survivre au fil des années et sont en ce moment conservés à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais je n'ai pas vraiment eu le temps d'y faire un saut. Et d'ailleurs, je vous le précise tout de suite. Quelques-uns de ces films, voire épisodes de séries, voire carrément des séries entières, ne sont trouvables nulle part. Tout simplement parce qu'ils ou elles sont perdus, voire conservés, voire n'ont pas du tout été enregistrés. Donc, je m'excuse si jamais je vous parle d'un film ou d'une série dont je ne peux pas vous montrer les images. Mais en même temps, ce n'est pas très grave, je ne vais juste pas m'attarder dessus. Et parmi toutes les adaptations existantes, nous pouvons découvrir Le chien des Baskerville ou quelquefois Les chiens de Baskerville. Cette histoire est l'une des histoires de Sherlock les plus adaptées, que ce soit en film, en téléfilm ou épisode de série. La toute première date de 1914 et est réalisée par Rudolf Meinert avec dans le rôle de Sherlock Alwyn Nubb. Et la plus récente est celle présente dans la série Elementary. Cette histoire a été adaptée plus d'une vingtaine de fois et a subi au fil des années plusieurs modifications. Et moi qui me suis plaint du tour du monde en 80 jours, comme quoi c'était toujours pareil et que je ne comprenais pas pourquoi cette histoire a eu droit à plusieurs versions, là, je vais m'amuser. Mais en général, l'histoire reste la même. Sherlock et Watson seront confrontés à un molosse qui terrorise un village. Ça, c'est le résumé si vraiment on veut pas se louper. Car si on commence à rentrer dans les détails de chacune des œuvres, eh bien on va juste finir par comparer toutes les versions existantes avec le support d'origine et dire que ça c'est faux, ça c'est pareil, ça c'était inventé. Bref, on n'est pas là pour comparer chacune des versions, mais plutôt retracer tout son parcours et également comprendre le succès de ce personnage, d'abord de littérature, qui deviendra l'un des personnages les plus interprétés au monde. Élémentaire, mon cher Watson. Vous saviez que cette phrase n'a pas été inventée par Conan Doyle ? C'est le film de 1929, réalisé par Basil Dean, qui l'intègre dans son histoire et qui deviendra par la suite la réplique culte de Sherlock. Enfin, inventée, oui et non. Dans les romans de Conan Doyle, Sherlock s'exprime très souvent en utilisant l'expression élémentaire et appelle occasionnellement son ami mon cher Watson. Et ce film a récupéré ces deux répliques, les a mises bout à bout, et c'est de cette manière que cette réplique naît. Et aussi, ce film n'est pas n'importe lequel, car c'est le premier film parlant de cet univers, toujours en noir et blanc, mais plus muet. Bon, ça reste comme la version de 1905, tellement ancienne qu'une copie est conservée aux États-Unis. Et ça, c'est typiquement l'exemple d'un film qui sert un univers au lieu de l'utiliser. Car comme cette phrase lui est propre, on peut penser qu'elle était présente depuis le début sur papier. Alors que non. Enfin, à moitié. Mais jamais leur auteur d'origine ne les a mises en corrélation. Ce film a inventé quelque chose pour le personnage. Cette phrase. Et en faisant ça, on ne s'attendait pas vraiment à ce qu'elle devienne la réplique de Sherlock, toujours présente de nos jours, et qui en plus donnera lieu à une série dont le titre évoque clairement cette réplique. Et ça, c'est ce que j'appelle servir un univers. Si on avance un peu,
Entre 1931 jusqu'en 1937, Arthur Wantner interprétera Sherlock à 5 reprises, devenant le premier acteur récurrent de ce personnage. Et il le jouera dans Le Cardinal Endormi, The Messie Grandbrandt, qui malheureusement fait partie des films égarés, Le Signe des Quatre, Le Triomphe de Sherlock, et enfin Silver Blaze, qui pour nous en France, ce film se nomme Sherlock contre Moriarty. On va enfin pouvoir en parler plus en détail. Sherlock, au fil de ses aventures, rencontrera plusieurs ennemis, mais celui qui sera le plus redoutable se nomme Moriarty. Et ça, c'est ce qu'on peut penser. Mais Moriarty n'a pas été pensé et écrit comme étant le pire ennemi de Sherlock. Et d'ailleurs, il n'apparaît que dans deux des 60 aventures de Conan Doyle. Et le fait que plusieurs écrivains, scénaristes reprennent quasiment à chaque fois ce personnage, on peut par la suite penser que c'est vraiment lui son plus grand rival. Alors que non, c'est un ennemi parmi tant d'autres, et comme il a été le plus adapté, réadapté, écrit, réécrit au fil des années, il en est devenu, malgré lui, l'ennemi juré de Sherlock Holmes. Et en plus, dans les aventures écrites par Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock, déjà il n'apparaît que dans deux aventures, mais en plus, les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Watson, oui, mais Sherlock, non. L'une des principales motivations que Sir Arthur avait en le créant était de tuer le célèbre détective. Et c'est ce qu'il va se passer lorsque les deux hommes tomberont des chutes du Reichenbach en Suisse. Mais il y a également une autre raison à ça. C'est que l'univers de Sherlock, univers qu'il a créé de toutes pièces, n'est pas l'œuvre qu'il affectionne le plus. Et selon sa conversation avec sa mère, il lui détournait l'esprit et l'empêchait de se consacrer à ses romans historiques. Et c'est donc en 1893 qu'est publié Le Dernier Problème, la toute dernière aventure de Sherlock Holmes sous la plume de Sir Arthur. Sauf que ses fans n'étaient pas du tout heureux d'apprendre que leur héros soit mort. Réaction qu'avait anticipé sa mère durant leur conversation, tellement Sherlock était apprécié. Et dû à la pression de ses lecteurs, 18 ans plus tard, soit en 1901, Sir Arthur le fait revenir dans Le Chien des Baskerville. Et c'est en 1903, dans la nouvelle La Maison Vide, qu'on apprend que Moriarty était le seul homme à chuter et que Sherlock a simulé sa propre mort afin d'échapper aux complices de son ennemi. Mais quant à Moriarty, aucun retour sous la plume de Sir Arthur, car s'il revenait, la réputation de Sherlock allait en prendre un sacré coup. Car comment vénérer un héros si l'un de ses ennemis ne cesse de revenir? On ne l'aurait pas pris au sérieux et le mieux était de continuer à le faire enquêter sur de nouvelles affaires. Par contre, il réapparaîtra, mais dans différentes aventures sur plusieurs supports, en dehors du contrôle de Conan Doyle. Et c'est réellement à partir de là que commence le culte du « faux ennemi juré » de Sherlock Holmes. Et d'ailleurs, on y reviendra plus tard en détail, mais à la fin de Sherlock Holmes 2, Games of Shadow, les deux hommes tombent tous les deux des chutes, et même si on sait que l'un est encore en vie, on n'en sait rien pour l'autre. Et dans la série Sherlock, que dis-je, l'excellente série Sherlock, ils ont réadapté ça à leur façon. Car on va nous faire croire à la mort du héros qui, bien évidemment, était simulée, juste après que Moriarty se suicide. Ce qui veut dire que pendant un court instant, les deux hommes sont supposés morts. Et ce qui est brillant avec cette série, que dis-je, cette excellente série, c'est que nous allons avoir plusieurs indices pour nous laisser croire que les deux sont encore en vie. Bon, là nous venons de faire un grand bond dans le temps. Nous allons plutôt retourner en 1939, l'année qui va marquer une grande avancée à la fois pour le personnage de Sherlock Holmes et également pour l'acteur qui va l'incarner.